Je me sers dans son portefeuille pour voir sa réaction. Tu fais quoi? C'est une blague. Un billet de 20. Une pièce de 2 euros, une pièce de 1 euro. Bah oui, pourquoi? Et tu crois que je vais aller où avec ce billet de 20 euros? Je vais aller chez la marraine écuyenne. Je vais dire bonjour madame, j'ai 20 euros, 2 euros et 1 euro. Oui, 23 euros. 23 euros, elle va me dire ah madame, je fais que un pouce ici et un petit pouce ici. Elle va me dire madame, je peux pas vous faire vos mains complètes. Ouais, bah mon cœur, t'as juste à demander. Prends la carte si tu veux. Je peux prendre ta carte? Oui, la carte. The carte. The carte. Qui a le plafond à 15 000 euros. Bah ouais, pourquoi? De toute façon, les ongles, ça coûte même pas 50 euros. Ok, tiens, je te laisse tes petits 23 euros. Tu vas où? Tu vas où, putain? Bébé, vite, lève-toi, il y a le feu dans mon caleçon. Il est temps, là. Bébé, lève-toi. Putain, bébé, je crois que j'ai fait pipi dans ta bouche cette nuit. C'était bon? T'es sûr? Ok, je pense que je vais m'habiller en robe aujourd'hui. Je mets une rose ou une jaune? Et là, du coup, comment j'éteins le feu dans mon caleçon? Dis-lui, il éteint. Mais qui éteint quoi? Un feu. Ok, bon, je demandais à Sandra qu'elle éteigne le feu. T'es sûr? Sandra ou Léa? Quoi, Léa, Sandra? Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes là? Comme ça, c'est qui Sandra, Léa là? Je parle anglais pour voir sa réaction. Mais ben, c'est à moi, je parle à mon menu. Yes, of course. Open your eyes, it's here. J'en dis pas ars, on dit eyes. Non, quoi ici, hein? Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Ça y est, la meuf, elle rentre de Dubaï. Tu crois que tu sais parler anglais ou quoi? What? I don't understand. On dit pas I don't understand, on dit I don't understand. Shut up. Shut up. Passe-moi les sous, s'il te plaît, mon cœur. Yes, of course. Shut up. You shut up. Me shut up. You shut up. Yes, shut up. Shut up. Me shut up. Yes. Me shut up. Yes. Tonight, tonight, no sex, me, toi, me, nous tous. Jean, dis pas bye. Toi, me. Eh ben, no sex. No sex, bye. Je lui offre FIFA 23 en retard. J'espère ne pas regretter. Les filles, vous en pensez quoi? Mon cœur. Quoi? J'ai une surprise pour toi. C'est quoi? Non, mais déjà, tu me dis pas c'est quoi. C'est quoi, mon bébé d'amour? Tu sais ce que c'est? Oui. D'abord, faut que tu me promettes un truc. Quoi? Est-ce que je passerai toujours avant cette surprise? Je le jure, bébé, sur... Ma vie à moi. Ok. Je te promets que oui. Donc je suis plus importante que le truc mais que j'ai. Bébé, t'es sérieux, tu poses la question, c'est toi la base. Ok, tiens, regarde. Quoi? Tiens. Ouais. Ouais. Bah. Wouah, merci. Trop mignon, bébé. Merci, mon cœur. Mais du coup, je passe avant FIFA. Hein? Je passe avant FIFA. Juste après, du coup, mon cœur, tu peux juste mettre tout ça à laver. Non, non, mais attends, tu vas où là? Bah, je pas. Mais, non, non, pas du tout. Bébé, tu m'achètes FIFA et tu veux me péter les couilles? Non, mais calcule-moi! Je fais croire à mon copain que mes règles ont coulé. J'espère qu'il va me sauver. Zut, mes règles ont coulé. Bébé, mmh. Tu trouves pas que je suis à rien sur moi, je suis habillée bizarrement, non? Bah non. Non? Vu qu'il a toujours pas cramé, on va passer aux choses sérieuses. Bébé, pourquoi y a un truc qui cloche sur moi? Bah non. Vas-y, regarde-moi, tu me regardes même pas. Quoi? Je suis habillée bizarrement pour aller chez ta mère, non? Bah non, tout le monde t'a habillée comme un week-end. Attends, retourne dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il y a? Tes règles, elles ont coulé, moi je t'avais déjà. Hein? T'es c'est pas vrai. Arrête, bébé. Regarde, non, regarde. Une photo? Mais les gens me regardent trop mal, bébé. Ça va, ça va. Je l'ai fait trop mal. Oh, t'as déjà. Bonjour. Mon père, j'ai trop la honte. Vas-y, tu restes comme ça, putain, calme. Heureusement que t'es là, vas-y, fonce à la maison. Fonce à la maison, je t'en vas-y, fonce. Mon cœur, excuse-moi, t'as pas un truc s'il te plaît, j'ai hyper froid. Froid mon cœur? Ouais, il caille dehors. Vraiment? Ouais, tu peux me trouver un truc pour me couvrir s'il te plaît? Je crois qu'il y a quelque chose dans le coffre pour toi mon cœur. Dans le coffre? Ouais, si t'as vraiment froid. Ok, merci bébé, tu gères. Hé hey. Quoi? Attends-moi. Pourquoi tu cries comme ça? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'elle fait ta mère dans le coffre? Ma mère? Ouais, qu'est-ce qu'elle fait dans le coffre? Ah oui. Elle voulait passer l'après-midi avec moi, ma mère. Mais c'est pas l'après-midi, il fait nuit là. Ah non, je trouve qu'il fait encore très jour là, mon cœur. Mais t'es bizarre, bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Non. Allez, prends ton plaid et ne saoule pas. Ça va? Aide-moi. Mais t'es sûr qu'elle va bien? Bah oui. Tu vas quand même pas penser que je l'ai séquestrée. Tu l'as séquestrée? Mais non.
Tu vas bien? Hein, tu vas bien, maman? Aide-moi, Ania. Hein, tu vas bien, maman? Je sais pas si elle va bien, là. Tu veux rester avec nous jusqu'à l'éternité? Moi? Maman et toi? Non, moi ça va, merci, j'ai mon plaid. Non, merci, j'ai mon plaid. Genre, je vous explique. Les essences, elles sont hors service. Regardez, hors service. Hors service. Encore hors service. Des hors service de partout, les gens. Encore hors service. Regardez, il est trop fier de lui. Les gens, ça me fait trop de la peine pour les gens parce qu'ils demandent du 95. Les gens, ils sont en train de péter un câble derrière moi et tout, genre puissance 10 000. Parce que j'ai mis de la 95 et eux, ils peuvent pas. Gros, pour ceux qui savent pas, c'est pénurie d'essence. Il reste que du diesel, pratiquement. J'ai vu que mon père, il connaît le mec de la station. Je suis arrangé. Et j'ai mon plein d'essence. Regardez, normalement, 9,99, ça veut dire genre c'est hors service. Je lui fais croire que c'est moi qui a préparé le gâteau alors que c'est juste un gâteau au champ. Oh, oh non, mon gâteau. C'est pas grave, ni vu ni connu. Hop. Il va croire que je suis une trop bonne pâtissière. Alors que je l'ai acheté. En vrai, ça a de la gueule, on dirait vraiment c'est moi qui l'ai fait. Tiens, regarde ce que je t'ai fait juste pour toi. De mes propres mains, un beau gâteau juste pour toi. Genre toi, t'as fait ça toute seule? Bah oui. Genre. Avec le nappage, le coulage, le sucrage. C'est vrai? Tout. Bah oui. Tiens, attends une heure, coupe-le. Il est très croustillant. Et moi, tu filmes? Mais parce que je suis contente, c'est mon premier gâteau que je fais. J'ai immortalisé le moment. Ah ouais? Oh, croustillant. C'est bien, je savais pas que t'étais une pâtissière, toi. Bah si, j'ai mis les amandes et tout sur le côté. Quelle amande? Ah oui, non, je les ai retirées. Hein? De quoi tu parles? Non, j'ai retiré. Ah ouais, il a l'air trop bon. Il est bon? Il est bon ou pas? Il est bon. C'est mon premier gâteau. Premier j'ai gâteau. J'ai un poil. Non, je me suis attaché les cheveux exprès, hein. C'est pas possible. Alors là... Il est trop chiant. Pas mal, pas mal. Oh, le jus. Attends, mais par terre. Il est bon. C'est vrai. Tu mets combien sur 10? Et t'as fait ça pour moi? Bah oui. 10 sur 10. 10 sur 10. C'est quoi ça? Je te fais un massage pour te remercier. C'est vrai? Trop fort, mon cœur. Pâtissière. Maman, tu sais, regarde. Tu sais pas si ça reste dans les assiettes, quoi. Il y a ma copine là qui vient d'accoucher. Regarde son bébé. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il est beau. Maman, je suis en FaceTime avec elle, là. Ah, salut Léa. Elle a accouché quand? Bah, je sais pas pourquoi. C'est une petite fille ou un petit garçon? C'est une fille. Elle est pâle, hein? Non. Maman, on est en FaceTime. Elle est pâle, mais c'est la qualité de la photo aussi, hein. Elle est belle, sa fille, non? Ah oui, elle est très belle. Elle bah, dis-lui, vas-y. Elle est trop belle, Léa. Félicitations, hein, que du bonheur, hein. Bah, je suis en FaceTime. Oui, bon, je vais raccrocher, ouais, monsieur. Ouais, raccroche, parce que franchement, il y a un problème, là. Maman, j'ai pas encore... C'est quoi le problème? Oh, elle est très très pâle, assoumise. Mais c'est quoi le problème? C'est le téléphone. C'est le téléphone, il est pas beau. Le téléphone, il est un bug. La qualité de la photo, ça va pas du tout. Le bébé est très beau. Je péjanque mon mec en faisant un maquillage bizarre pour aller chez sa mère et regarder sa réaction. Je pense qu'il va pas aimer, ça va être grave, drôle. Je mets sa réaction dans ce TikTok, t'inquiète pas. J'ai forcé sur le maquillage. Je me suis jamais autant maquillée que pour ce TikTok. Mais je comprends pas, elle est où le problème là? Tu ne sors pas maquillée comme ça! Mais pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Bah oui. Parce que là on dirait que tu vas sur le trottoir, d'accord? On dirait une prostituée. Mais t'es sérieux? Juste parce que j'ai mis beaucoup de maquillage, genre t'as honte. Non, mon cœur c'est mort. Les hommes ils vont te regarder dans la rue. Même j'aime pas ton maquillage, d'accord? Même ma mère elle va dire mon fils tu ne sors pas avec elle. Mais elle va dire ma fille t'as un problème. Tu ne sors pas comme ça. Mais on dirait que je suis une extraterrestre là. Mais tu es un extraterrestre. Les gens, Ania va faire des ongles XXXXXXL. Là, la dame, elle lui retire ses anciens faux ongles. Et d'ailleurs, ils ont super bien tenu, hein. Regardez les ongles, ils sont XXL. Bah, avec ça, tu me touches même pas, tu vas me faire trop mal. Mais non. Des griffes, le bail. Et maintenant, c'est moi qui dois choisir les vernis, et je pense. Venez, fais des ongles noirs de gothique vu que c'est Halloween. Non, c'est moi. C'est pas toi qui décide, c'est moi. C'est moi, je paye. Tu veux vraiment pas des ongles noirs de gothique? Non, s'il te plaît. Ok, bon. La couleur, elle se trouve ici. Devinez en commentaire. Non, mais c'est quoi ces ongles de pétasse, Ania, là? Bébé, est-ce qu'on leur montre le résultat? Oui. Mais ils vont être choqués parce que c'est trop, trop, trop beau. Oui, mais tu... Je précise que c'est moi qui ai choisi. Bon, ok, je vous montre tout de suite. Les ongles, ils sont trop beaux. Merci. Je lui fais croire que je suis enceinte avec un faux test. Mon cœur? Oui. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer.
Tu m'as envoyé un snap, c'est quoi? Je vais mourir. Chuchu. Je suis enceinte. T'es enceinte? Oui. Mais non. Si. C'est pas vrai. Il y a deux barres. Une, deux. Je vais être papa Zizou. Oui. Et maman Anya. Oui. On aura un mini Zizou. Ouais. T'es content? Bah oui. T'es enceinte. Oui. Deux barres, ça veut dire enceinte. Putain, heureusement que c'est pas le truc que j'avais acheté sur Amazon, hein. Non, heureusement. Ah, tant mieux. Tu vas pas l'avorter. Ah non. T'as plus le choix maintenant. Je vais appeler ma mère tout de suite. Hein? Bah, t'es enceinte, je dois appeler ma mère pour lui dire que t'es enceinte. Ah non, mais attends. Mais quoi? Il faut faire un deuxième pour être sûr. Ah bah non, là, regarde, il y a les deux barres. Oui, mais ils sont. On appelle ma mère, on appelle ta mère, on appelle toute ta famille. Non. Bah, t'es enceinte encore, t'as dit? Non, raccroche les broches. J'arrive pas à faire mes sourcils et j'ai mes Raniana. Mais si, mes sourcils ne sont pas pareils, ils sont gros, mais n'importe quoi. Mais où ils sont gros? C'est lequel qui est le plus mal fait? Je sais pas, les deux. Mais comment ça les deux? On dirait que j'ai pas de sourcils. Ok, je me concentre. Je me concentre. Tu me déconcentres! J'arrive pas à faire sur le téléphone. C'est le début qui est mal fait. Là, je remplis les poils. Ok. Oh, non! 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 Elle est ratée! J'arrive pas! Bon, je défais les deux. Début, on va refaire. Ok. Je me concentre. On va commencer par lui. Voilà. Oh non! Oh non! Ok, j'ai à peu près fini mes sourcils. Je les laisse comme ça. Il faut plus que je les touche parce que si je les touche, je vais faire carnage. Donc, je les calcule plus. On va dire qu'ils sont à peu près bons. C'est bon. Je passe à l'étape suivante. Dis Siri, appelle ma copine. Dis Siri, tu peux appeler ma copine s'il te plaît? D'accord, mais quelle copine? Léa, Sandrine, Sarah, Lucie, Miram, Annabelle, Lolita, Chloé, Sophia, Cindy, Inès, Olivia, Kenza, Elsa, Nema, Morgane, Lisa, Marjorie, Wania. Wania, genre en dernière. Bah, le meilleur pour la fin. C'est qui tout ça? Tu parles avec tout ce monde là? Bah. Mais tu me dégoûtes, Tu sais quoi? Je vais rester dans cette voiture, tu vas mettre le moteur, on va aller dans chacune de ces pétasses, on va les sauver chez elle, ok? Tout de suite? Tout de suite, dépêche-toi, mets le contact! Marjorie, Lisa, mais putain, mais je vais péter un câble, c'est qui tout ça? Je démarre. Démarre, dépêche-toi. Tu vas aller sauver chez elle. T'es heureuse? Quoi? J'étais en train de faire ça et tu m'as dit arrête Zoubir! Non, je voulais dire arrête Zizou, mais comme j'ai rigolé, t'es heureuse bébé? Zoubir, soupe! Mais j'ai pas dit Zoubir! Encore, j'ai pas dit Zoubir, mais j'avais de la vie! C'est qui Zoubir? Mais je sais pas, je connais pas! C'est qui Zoubir? Dis-moi, c'est qui Zoubir? C'est qui Zoubir? Mais c'est personne, je connais pas Zoubir, j'ai dit Zizou! Mais bébé, t'es sérieuse entre Zizou et Zoubir, y a une grande différence? Non, parce que j'ai rigolé, je m'appelle Zinedine, pas Zoubir! Parce que j'ai rigolé, il fait Zou! Dis-moi la vérité, je te jure, je vais pas t'en vouloir. Non, je te jure. C'est qui Zoubir? Je te jure, je connais pas. Tu m'as trompé avec un Zoubir? Non. C'est qui Zoubir, mon cœur? Mais encore, j'ai pas dit Zoubir. Tu sais que je te pardonne, hein? Mais c'est qui Zoubir? Arrête! Je te jure, c'est personne! Je voulais faire une blague! C'est qui Zoubir? Y'a pas Zoubir, ça existe pas. Premier? Oui, premier. Le petit doigt? Oui. Jure, oui. Premier sur la tête de notre chien? Promis sur la tête de notre chien, chouchou. Bah, vraiment un bisou. Bah, je suis à le faire avec Zoubir. Bah. Oh, mais t'es rancunier, hein! Tu vas pas rigoler! Je change son mot de passe pour voir sa réaction. Changer le code, je vais mettre ma date d'anniversaire. Maintenant, je le repose ni vu ni connu. Mais où mon tel? Je sais pas moi, est-ce que je suis sur ton téléphone? Ouvre tes yeux. Là, en train de filmer. Bref. C'est quoi ce délire? Quoi? C'est le code. Ça marche pas? Bah, je sais pas, la dernière fois. Mais t'as changé mon code. Mais non, mais la dernière fois, tu m'as dit que t'avais mis ma date d'anniversaire. Ouais. Bah oui. Quand je t'ai dit ça? Bah la dernière fois. C'est pas. Bah c'est pas.
0301. Putain, j'ai mis ta date d'anniversaire. Bah ouais. Mais parce que je t'aime trop, c'est pour ça que j'ai fait ça. D'accord. Je te jure, je t'aime trop. C'est vrai. Bah, jusqu'à dans mes mots de passe. Trop chaud. Si vous êtes au courant que comme j'ai mes règles, je fais du cinéma, et ben vous savez quoi, je vais lui montrer c'est quoi un vrai show digne d'Anya. Vous savez quoi, je vais lui préparer un Happy Meal très spécial. Donc, je vais lui mettre du son, du faux son bien sûr, mais il va croire que c'est vrai. Oh, oh my god. Je vais mettre le tampon par-dessus, voilà, et je le mets dans le Happy Meal. Bon appétit mon cœur. Désolé bébé, mon mais il avait grave du monde. Je t'ai pris ton sapinier parce que je sais que t'avais trop trop faim. Oh, elle est trop mignonne, merci mon bébé. De rien, mon amour. Bon, tu m'as saoulé depuis que t'as tes règles, toi tu parles mal et tout. T'as vu, bah c'est pour me faire pardonner. Merci mon maman. De rien. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non. Quoi? T'as pas fait ça. De quoi? T'as pas fait ça. Bah si, j'ai fait ça. Ah! Mais c'est rien, je fais du cinéma, moi je fais du show, du cinéma, c'est ça le vrai show. Mes règles c'est pas du show, c'est ça le show. Mais ça me dégoûte, tu m'as dit... C'est rien, c'est du son, hein, c'est rien les règles, c'est du cinéma les règles. Voilà. Va manger-le. Je lui mets du poil à gratter, ça va lui gratter fort. Dépêche-toi. On y va? Dépêche-toi. Je suis prêt? Tout de suite. Tout de suite. Clac, clac, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Mon parfum. Ah. Je suis sûr de sentir bon. Non mais tu forces là, wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, ça me gratte. Bah t'as mis trop de parfum. Non. Il y a un truc qui me gratte. C'est pas vrai. Ah putain. Vas-y, on y va. Mais pourquoi tu te grattes comme ça là? Qu'est-ce que t'as me filmé toi? Ah ça gratte trop. Putain. Qu'est-ce que tu fais dans le hall là? Oh. Mais j'ai rien fait, c'est ton parfum. Je lui ai dit que s'il arrivait avant 18h45, il aura une belle récompense ce soir. Regardez, il est là-bas en jaune. Regardez comment il se dépêche. Mais c'est Fast and Furious le mec. Mais je vais mourir. Dépêche-toi. 18h42. Ouais, c'est trop fort. T'es sérieux là? De quoi? Mais tu t'es dépêché. Mais tu t'es dépêché juste pour ça genre. Mais maman, regarde ma tête, s'il te plaît. Elle m'a dit qu'à 18h40, enfin si j'arrive avant 18h45, ouais. J'avais une surprise ce soir. Il est 42. 42. Mais il croit qu'il a gagné la coupe mais du monde. Mais applaudissez-moi, je sais pas. Mais applaudissez-moi. Mais tu crois que t'as gagné ça. Quoi là? J'ai trop chaud. Mais il a fait du sport ou quoi là? Il en peut plus. Bon. Quoi? Du coup. Bah du coup t'as rien gagné. C'était juste pour que tu perdes du ventre. C'est pas gros. Bah si, un petit peu quand même. Mais non, mais Annette abuse. Elle est 43. Allez, bon sport. Tu veux savoir c'est quoi ma surprise? Non, tu dis pas. Je lui offre l'iPhone 15 Pro Max. Chaque fois vous dites que je suis avec Zizou pour son argent, et bah là je vous prouve le contraire, je lui ai acheté l'iPhone 15 Pro Max. Bon bébé. Quoi? J'ai une question à te poser. Quoi? C'est qui la meilleure des femmes? Honnêtement. Honnêtement, la vérité. Ouais. Je sais pas comment te dire mais... Bah vas-y, dis-le. C'est sûrement pas toi. Hein? Bah oui, ma vie. Mais t'es sérieux, non? Mais quoi? Bah d'accord. Bon, bref, bah du coup, c'est qui la plus belle, alors? Tu le prends pas mal. Non, mais vas-y, dis le fond de tes pensées. Bah c'est pas toi. Quoi? Ah bah oui, c'est une tiktokeuse. Bref, enfin... Comment ça... Tu te fous ma gueule, là? Donc moi, en fait, je te sers à quoi? Moi, j'ai voulu faire la journée avec toi, j'avais un cadeau pour toi. Tu es la plus belle des TikTokers et tu es la meilleure femme au monde. Ah, dès qu'il dit le mot cadeau, de suite. Non, bah, c'est juste ma langue et la fourchée. Bon, t'es prêt? 3. Eh, triche pas. 2. 1. L'iPhone 15 Pro Max. T'es content, ma vie? C'est un vrai? Mais oui, c'est un vrai. T'es content? T'es vraiment la meilleure des femmes. Ah ouais, juste pour la... Mais tu es vraiment la meilleure des femmes. Mais je sais. J'aime pas gros un bisou. Je te gâche, je te fais l'amour, ma vie. Je lui dis qu'elle a oublié nos enfants à la piscine. Anya, mais je te dérange pas de maquiller là? Et t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Mais t'es quel genre de mère indigne? Bah à quelle heure je suis mère? Mais t'es quel genre de mère indigne toi? Comment c'est une mère? Mais t'as pas l'impression d'avoir oublié nos enfants à la piscine? Bah oui, nos enfants. T'as oublié les jumeaux à la piscine, Anya, t'es sérieuse? Mais tu es quel genre de mère indigne? T'oublies ta fille à la piscine, ça se trouve, elle s'est noyée là!
Je sais même plus le nom de ta fille. Je sais plus le nom de ma fille, mais c'est une blague ou quoi? T'as oublié qu'on avait des enfants? Mais elle est à la piscine là, mais c'est pas possible. T'as oublié qu'on avait des enfants, Anya? Bah oui. T'es sérieuse? Bah non, c'est bon, je rigole. Non, mais oui, j'allais les chercher. J'étais en train de me préparer pour aller les chercher. Bah oui, là, je suis en train de me maquiller pour aller les chercher. Donc là, tu te maquilles, s'ils sont noyés dans l'eau, qu'est-ce qu'ils s'en foutent que tu sois maquillée? Mais va aller chercher à la piscine, Anya! Mets tes claquettes! Tu vas y aller maintenant? Mais oui! Ok, attends. Ça se trouve, il s'est noyé dans l'eau. Mais tu vas où? Je vais chercher les enfants, j'arrive. Je tiens à dire que j'ai la meilleure, la plus belle. Ok, après je vais te chier là, vas-y, je vais. Des femmes, et elle m'a offert l'iPhone 15 Pro Max. Les gens, il est trop beau. Il est tout léger. Je vous jure. Il est archi léger. Il marche pas. Les gens, mon iPhone il marche. Il est trop beau. Je te fais des bébés à toi. Toi, tu vas devenir ma nouvelle petite femme. Parce qu'on dit un iPhone 1. Il est trop beau. Merci, Anya. T'es trop mon bébé. Je te fais un bisou. Vous savez quoi les gens, on configure l'iPhone 15 Pro Max dans le prochain TikTok. Toc. Je lui présente nos enfants. Oh, depuis tout à l'heure, je t'attends. Papa. Ça va? Oui. Bah, je t'ai ramené nos enfants. Vous êtes qui? Bah, tu m'as dit ton père. Bah, t'es nulle part, tu te viens plus, non? Tu viens plus tes enfants? Mais c'est tes enfants? Je me rappelle d'eux, bah si. C'est Ambre et Naïl. Bah oui, c'est Ambre et Naïl, mais oui. Bah oui, mais tu te rappelles quand même. Vous êtes grands un peu, non? Non. Bah, Ambre, elle a 5 ans. Et Naïl, il a 7 ans. Tu te rappelles plus de leur âge? J'étais plus soin. Il y a 7 ans, j'étais plus soin. Mais non, mais c'est nos enfants. Hein, Ambre, c'est ton papa? Oui. Bah oui, c'est mes enfants, bah oui, arrête bébé, tu vas me faire culpabiliser, arrêtez les bébés. Oh, vous êtes trop beaux. Bah oui. On va aller manger au restaurant. T'as kidnappé des enfants? Hein? T'as kidnappé des enfants? Non. T'as kidnappé des enfants? Hein? Configure le nouvel iPhone 15 Pro Max. Regardez-moi comment il est trop beau. En plus, il est super léger. Là, les gens, le chargeur, il est trop chelou. Il m'a envoyé un iPhone cassé. Regardez la différence. Il est vraiment beaucoup plus léger. Bon, c'est parti, on le configure. Bonjour. Alors, bah, on est des Français. Bah, on est des Français de France. Ils sont bêtes ou quoi? Les gens, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, mais ils sont tarés. Vous entendez? Il y a des gens qui crient notre nom en bas de chez nous. C'est vrai? Ça va, c'est pas des haters. On reprend la configuration de notre iPhone. Je crois que mon iPhone est cassé. Ça marche pas. Non mais les gens, mon nouvel iPhone 15 Pro Max, il est cassé. Regardez, pourquoi ça fait ça? Les gens, je fais facidi. Bon, ok, je vous donne mon code. Essayez de retenir. Les gens, il est en train de faire sa restauration. Et comme un pigeon Apple, j'ai payé la coque à 60€. Regardez les gens, il y a le bouton action. Il n'y avait pas ça dans les anciens iPhones. Bienvenue.
Ensuite, tu télécharges TikTok et tu t'abonnes. Il faut que je lui dise un truc par rapport à l'iPhone. Quoi ? Je te jure, on va pas le rater. Allez, vamos, Locos. Allez, Anya. On a l'avion dans une heure. Quel on a le temps? Ah, c'est une heure. Je vous jure, elle est en train de m'énerver là. On a le temps de faire des bébés. Hein. L'ascenseur. Dépêche-toi. Vous avez vu, elle veut me tenir juste pour qu'on prolonge. On ne prolonge pas. Anya, arrête de faire genre. Allez, dépêche-toi là. J'ai pas hydraté mon avion. Elle me fout, j'ai mal aux pieds. Mais t'as appelé un taxi? T'as pas appelé de taxi? Bah non. Dépêche-toi, faut en trouver un. Cours! Anya, vas-y, y'a un taxi! Oh là là, y'a personne qui s'arrête. On va rater l'avion. Mais ils partent tous? Dis-lui, bébé, l'aéroport de Marrakech. Bonjour. L'aéroport de Marrakech, s'il vous plaît, c'est combien? Attends, je vais ma valise. Ma grosse valise. Toujours, j'ai oublié ma grosse valise. Oh non, attends, j'arrive. Putain, Anya, tu fais chier. Les gens, le taxi, il est parti. Bon bah ça y est, c'est officiel, on prolonge à Marrakech. Voilà, on n'a pas le choix. L'avion, il est dans 40 minutes, je l'aurai jamais. Mais Zizou, il croit vraiment que je suis bête. Donc moi, genre, j'aurai des enfants et je serai même pas au courant. Franchement, Calmer, oublie ses gosses. Bon, du coup, maintenant, ma mission, c'est de trouver des enfants à l'hôtel pour piéger Zizou à son propre jeu. Bonsoir. Excusez-moi, bonsoir. 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 Est-ce que vous pouvez me prêter vos enfants? Vos enfants? Ah, vous parlez pas... Sorry, no speaking English, sorry. Je viens de me taper la montre, la meuf, elle parlait même pas français. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, c'est vos enfants? Oui, pourquoi? Ils sont très beaux, ils sont magnifiques. C'est vrai, merci, c'est gentil. J'avais une petite question, est-ce que vous pouvez me les prêter? Vous voulez vendre leur organe ou c'est comment? Vous prêtez pas des enfants? Non, voyons. Pas du tout, en fait, je dois faire une vidéo pour croquer mon mec, si ça vous dérange pas. Ok, Ambre. Je les connais, eux. C'est qui? Elle s'appelle Anya. Oh, elle me connaît. Est-ce que tu veux bien comprendre son copain? Oui. Ah, merci, t'as géré, top. Oh, c'est le nouveau. Enfants d'Anya. C'est trop mignon, je les aime trop. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 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 I hold him.
plaît, genre après m'avoir demandé de faire du in, écoutez ce qu'elle veut maintenant, Anya. Bébé, je peux faire mes cheveux et mes ongles, s'il te plaît. Mais c'est qui va payer? Bah, c'est toi, ma vie. Mais je suis pas un canard, je suis pas un bijou. Allez, on y va. Bébé, tu fais quoi? Bah, là, je fais mes ongles. Ouais. Et après, je fais un carré. Hein? Mais j'ai coupé les cheveux, ça y est, j'en ai marre. Tu vas les couper jusqu'à où? Un carré, un carré. T'es complètement taré. Du coup, bébé, tu veux faire quelle couleur? Je veux des ongles de pétasse. Des ongles de pétasse? Ouais. Ok, alors ça, c'est des ongles de pétasse. Oh, tu fais quoi? Bah, Anya, en fait, ça fait vraiment pétasse. Hein. Bon, allez, on retire. Non, c'est pas qu'à choisir, c'est trop tard. Les gens, il y a un mec qui me regarde trop bizarre devant le cheviste, regardez. Excuse-moi, beau gosse, tu me donnes ton 06? Non, mais m'appelle pas beau gosse et je suis déjà en couple. C'est vrai, t'es un beau gosse, quoi, je sais pas. Les gens, Anya veut vraiment faire son carré? Bah oui, maintenant, on va faire mon carré, maintenant, j'ai fini mes ongles, regardez. Wow. T'aimes bien? Mmh. Allez, let's go, tout le carré. Ah ouais, j'avoue, c'est trop beau les ongles. Bébé, tu t'assois bien, écoutez, moi. Non, mais je suis pas un chien. Ah si. Bébé, ça dérange pas si la dame elle m'associe les cheveux parce qu'elle est trop belle. Elle disait non, non, tu vas te trouver de vraiment. Genre, Anya veut vraiment faire son carré, bébé, t'es sûr? C'est parti, mon carré. Oh, ah, j'ai peur.